Prologue, la structure de la société japonaise. C'est un peu soudain, mais écoutez attentivement la question que je vais vous poser et réfléchissez consciencieusement à la réponse. Les hommes sont-ils égaux? Ces derniers temps, la société aime nous rabâcher l'égalitarisme de façon outrancière. On exhorte à ce que les hommes et les femmes jouissent équitablement des mêmes droits et on fait des pieds et des mains pour éradiquer les inégalités. On demande un haut taux d'employabilité pour les femmes. On responsabilise chaque personne de sorte qu'elle ait sa propre voiture. On va tellement loin qu'on touche même à la grammaire. On encourage aussi l'égalité avec les personnes handicapées au point que ce terme en est devenu discriminatoire. On fait du bourrage de crâne aux enfants dès leur plus jeune âge en leur répétant que tous les humains sont égaux. Est-ce vraiment le cas? Je me le demande. Les hommes et les femmes ont des capacités différentes, ce qui signifie qu'ils ont chacun un rôle qui leur sied. Les handicapés, quoi qu'on en dise et peu importe comment on les qualifie, le sont et le seront toujours. Si on se contente de réfléchir un minimum, on voit que l'égalitarisme n'a aucun sens. La réponse à la question est clairement, non. Nous sommes inégaux entre nous de par nos différences. La véritable égalité n'existe pas et n'est que chimère. Un grand homme a dit une fois que Dieu nous avait créés de sorte que nous soyons égaux. Nous sommes surtout égaux devant lui avant d'être égaux entre nous. Je vais poursuivre avec ce que dit la suite du passage. Après tout, les gens préfèrent souvent occulter la suite. Tous les hommes sont égaux à la naissance, certes. Alors pourquoi tant de différences dans le monde du travail ou dans les couches sociales? Voilà ce qui est écrit en substance dans l'autre moitié du passage en question. Ces deux différences résultent-elles d'un manque de travail, car un individu ne se 1. Serait pas assez donné les moyens, ou bien d'un excès de travail, car l'individu aurait étudié à la sueur de son front? Quoi qu'il en soit, il y a une différence évidente au sein même du système éducatif avec les bourses d'études. Nous sommes en 2015 et rien n'a changé à ce niveau. La situation est juste devenue plus complexe et beaucoup plus sérieuse. Nous sommes tous unis a fortiori par notre capacité à penser. Je ne pense pas qu'il soit correct d'énoncer que les hommes doivent vivre selon leurs instincts, car en agissant en animal ils ostraciseraient le concept de justice. En d'autres termes, ce mot égalité est un grand mensonge. Toutefois, je ne dis pas qu'il faille agréer l'inégalité. J'essaie seulement de trouver une réponse à cet éternel problème auquel fait face l'humanité. Avez-vous pensé au futur? Avez-vous réfléchi au sens d'aller au lycée ou à l'université? N'avez-vous jamais pensé que le fait de finir ses études puis de trouver un travail était une conception de vie bien vague? Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Quand j'ai fini par intégrer le lycée, je ne m'étais pas vraiment posé la question. J'avais la sensation du devoir accompli en ayant fini le collège. Cela me rendait d'ailleurs joyeux. Je n'avais alors aucune idée que ma vie et mon futur étaient façonnés progressivement. Je n'avais même pas compris ce que signifiait étudier le japonais ou les maths à l'école. 2. Chapitre 1. Bienvenue dans ma ville lycéenne de rêve. Eyano Koji-kun, tout va bien? Elle est venue, encore venue, la situation que je craignais tant. Alors que je faisais semblant de dormir, cette personne m'interpella. Ce fut le diable incarné qui me fit revenir à la réalité. Dans ma tête se jouait la 11e symphonie de Shostakovich, ce qui correspondait parfaitement à ma situation de malaise. Ce sentiment de désespoir complet alors que les gens fuyaient les démons et que la fin du monde approchait. Même avec les yeux fermés, je pouvais m'en rendre compte. Je pouvais sentir la présence oppressante du diable à mes côtés attendant bien sagement le réveil de mon être qui était sous son emprise. Comment pouvais-je m'extirper de cette situation? Pour éviter le danger de cette situation inconfortable, la réponse fut sans appel. Je feignis n'avoir rien entendu avec cette stratégie que je nommais prétention du sommeil. Non sans un brin de suffisance, une fille aimante se serait résignée pour ne pas me déranger et s'en serait même excusée. Je n'aurais pas dit non si elle avait tenté de me réveiller avec un baiser d'ailleurs. Si tu ne te réveilles pas dans les 3 secondes, tu vas subir mon courroux. Hein? Comment ça? En moins d'une seconde, ma stratégie fut mise en déroute et je succombai à la menace. Je continuai tout de même à résister en refusant de lever la tête. Je savais bien que tu étais réveillée. Je sais que je n'ai pas intérêt à t'énerver. À la bonne heure, tu as un peu de temps à m'accorder? Et si je te disais que non? Eh bien, je ne peux pas te forcer, mais tu risques de me mettre de mauvais poils. Elle continua. 3. Si je suis de mauvais poils, je risque d'être un obstacle majeur dans ta vie de lycéenne ordinaire, Yano Koji-kun. Tu risques de t'asseoir sur des punaises, de recevoir de l'eau dans la figure à chaque fois que tu entres dans les toilettes ou bien de recevoir des coups de compas avec la pointe si tu vois ce que je veux dire. C'est du harcèlement, d'autant plus que la menace du compas me semblait réelle, car confortait une situation de déjà-vu que j'avais eu le malheur d'expérimenter. Je me redressais à contre-cœur. Une fille à la longue chevelure noire et aux beaux yeux perçants me fixait depuis le côté. Son nom est Torikita Suzune, une camarade de classe de l'Indé. Ne prends pas peur,
C'était une blague, je ne comptais pas te jeter de l'eau à la figure. En revanche, les punaises et les coups de compas, ça passe. Regarde, j'en ai encore des traces. Si j'ai des cicatrices à vie, tu en prendrais la responsabilité comment? Je retroussai la manche de mon bras droit et lui montrai mon biceps. Je n'ai rien à voir avec ça, moi. Tu te fiches de moi? Tu essaies de me faire passer pour le coupable? Bien sûr que je n'avais pas de preuves. Bien qu'elle était ma voisine et qu'elle était assez proche pour me piquer, s'ajoute à cela qu'elle avait souvent un compas entre les mains. Non, bien sûr, je n'ai aucune preuve. Mais il fallait que je confirme quelque chose d'important. Je dois vraiment aider. Maintenant que j'y pense, Ayano Koji-kun, qu'est-ce que tu préfères entre regretter ta décision dans le désespoir ou regretter ta décision dans la douleur? Je te rappelle que tu as décidé de m'épauler dans mes tâches et tu dois en prendre la responsabilité maintenant, n'est-ce pas? 4. Horikita me proposa une alternative extrêmement insensée. Elle ne comptait pas faire de compromis. Ce fut une grave erreur de passer un pacte avec le diable. Je me résignai et fus contraint d'obéir. Alors qu'est-ce que je dois faire? Dis-je tremblotant. Je savais que je n'allais pas être surpris de ce qu'elle allait me dire. Je ne savais pas comment les choses avaient pris cette tournure. Néanmoins, je me souviens quand tout a commencé. J'ai rencontré cette fille il y a exactement 2 mois. Était-ce le jour de la cérémonie pour la rentrée? 5. 1. Avril. Cérémonie de rentrée. Comme j'allais à l'école en bus, les secours étaient monnaie courante. Tandis que je contemplais le paysage de station en station, le bus se remplit. La plupart des passagers portaient des uniformes scolaires. Un employé de bureau frustré était planté et se remémorait sûrement la fois où il avait accidentellement tripoté une fille lorsque le bus était bondé. Une vieille dame qui se tenait debout devant moi essaya de s'agripper comme elle le put pour ne pas tomber à cause de ses jambes tremblotantes. C'était une erreur d'avoir pris ce bus. Même si j'ai pu obtenir une place de choix, le vent frais n'arrêtait pas de me harceler et, pour couronner le tout, le bus était bondé. La pauvre vieille femme allait devoir attendre que le bus arrive à destination. Le ciel dégagé était tout de même rafraîchissant et me donna envie de dormir. Mais mon paisible moment fut soudainement interrompu. « Tu ne peux pas laisser ta place, hein ?» J'ouvris les yeux tout de suite après les avoir fermés, vu l'intonation. J'avais l'impression de me faire gronder, mais ce n'était pas à moi que cette personne s'adressait en réalité. Un jeune homme à la chevelure blonde portant l'uniforme du lycée était assis sur un siège prioritaire. La vieille dame se tenait debout entre lui et une employée de bureau. « Tu ne vois pas qu'elle a du mal à tenir debout ?» L'employé de bureau essaya de convaincre l'élève de donner sa place. Dans le calme plat du bus, sa voix fut le centre d'attraction de tous les passagers. Et alors ? 6. Le lycéen était peut-être ignorant, énervé ou tout simplement radicalement honnête, mais il esquissa un sourire et recroisa ses jambes. Pourquoi devrais-je lui donner ma place ? Je n'ai aucune raison de le faire. C'est le principe d'une place prioritaire, jeune homme. Or, c'est une dame âgée. Je ne comprends pas. Les sièges prioritaires ne sont que des sièges prioritaires et il n'y a pas d'obligation légale de céder la place. Celui qui est assis est le seul décideur. Or, vous voulez que je la cède sous prétexte que je suis jeune? Ah, n'importe quoi. Personne n'aurait imaginé un lycéen parler de la sorte. Sa coupe teinte d'un blond doré en disait long sur son excentricité. Je suis un jeune homme en bonne santé. Effectivement, je pourrais me lever. Mais il est évident que l'on consomme beaucoup plus d'énergie debout qu'assis. Je ne vois pas pourquoi je ferais une chose aussi inutile. Ou alors est-ce une manière de me dire que je ne suis pas assez dynamique? C'est quoi cette attitude déplorable envers une aînée? Aînée, certes, vous et cette vieille dame avez vécu plus longtemps que moi, mais ça s'arrête là. Quand bien même nous avons une différence d'âge, votre comportement n'est-il pas impertinent? Et, on ne t'a jamais dit d'obéir et de respecter les grandes personnes, morveux? Ce n'est pas grave, madame. Merci tout de même. La jeune employée était en colère, mais la vieille dame ne voulait pas envenimer la situation. Elle essaya de la calmer avec des gestes de la main, mais cette dernière, folle de rage, continua d'insulter le lycéen. Apparemment, cette vieille dame a une meilleure audition que la vôtre. Il y a encore de l'espoir finalement dans cette société japonaise. Bref, vivez votre vie à fond, ça vaut mieux pour vous. 7. Après avoir souri inutilement, il mit ses écouteurs avec le volume à fond. La jeune femme serra les dents de colère. Elle ne supportait pas cette suffisance et ce je m'en foutisme aigu alors qu'elle se donnait la peine de lui expliquer son mauvais comportement. Personnellement, je ne voulais pas m'impliquer, car j'étais en partie d'accord avec ce que disait ce garçon. Ainsi, l'obligation ou non de donner son siège eut le mérite d'être résolue par cette altercation. Je suis désolée. La jeune femme se retint de pleurer et se confondit en excuses devant la vieille dame. J'étais bien content de n'être qu'un simple observateur de cet incident. Que ce soit de refuser de donner ma place ou bien la donner, je n'accorde aucune importance à ces protocoles. Le garçon à l'ego surdimensionné avait mis fin à la nuisance sonore. Enfin, c'était ce que l'on croyait.
Homme, je pense que la dame a raison. Une aide inattendue fit son apparition. Une fille portant le même uniforme que le mien se tint aux côtés de la jeune femme et répondit vaillamment au garçon. Maintenant c'est une beauté de mon âge qui vient à mon encontre. Aujourd'hui, j'ai la côte avec toutes les tranches d'âge chez les femmes à ce que je vois. Cela fait un petit moment que cette dame a du mal à tenir debout et il fait une chaleur pas possible. Même si tu ne te sens pas concerné directement, tu pourrais au moins faire un geste pour la société, non ? 8. Le garçon claqua des doigts. Contribuer à la société ? Je vois. C'est un angle intéressant, mais cela ne m'intéresse pas. Je ne recherche que ma satisfaction personnelle. Oh, et puis, dans ce bus bondé, pourquoi n'irais-tu pas demander aux personnes assises sur d'autres places prioritaires de contribuer à la société ? Comme ça, vous me laisserez tranquille une bonne fois pour toutes, car il n'y a pas de hiérarchie de priorité dans les places prioritaires, il me semble. La fille n'avait pas réussi à atteindre le cœur du jeune garçon qui campa fermement sur ses positions. La vieille dame ainsi que l'employé esquissèrent une mine amère. La fille n'avait cependant pas abandonné. N'y a-t-il pas quelqu'un pour donner sa place à cette dame d'un grand âge ? Je vous en prie. Il est rare de voir ce genre de belles interventions où se mêlent compassion, courage et détermination. On aurait pu considérer cette fille pour une énième nuisance sonore, mais sa détermination était digne de louange. Je n'étais pas sur un siège prioritaire, mais j'étais près de cette vieille dame. J'aurais pu en finir avec cette situation en me levant afin qu'elle puisse se reposer une bonne fois pour toutes. Mais je restais immobile comme tous les autres passagers assis du bus. Personne ne fit un geste, comme si tout le monde s'était convaincu du bien fondé de l'argumentation du lycéen. Bien entendu, les personnes âgées ont énormément donné pour le pays. Mais nous, la jeunesse, sommes le pilier du Japon de demain. Et comme la population est vieillissante, nous les jeunes, avons plus de valeur. Voici un argument parfait qui mettait en avant l'importance des jeunes. Je commençais à me demander ce que les autres passagers pensaient et ce qu'ils comptaient faire. Certaines personnes prétendaient n'avoir rien vu ni entendu. D'autres avaient un regard hésitant. Mais la fille qui était à côté de moi, elle, était complètement différente. Elle était totalement inexpressive. Son étrangeté fit dévier mon regard dans sa direction et nos yeux se croisèrent pendant un court instant. Je compris qu'elle aussi n'avait pas considéré à donner sa place. 10. Prenez ma place. Une femme se leva soudainement. Elle ne supporta plus longtemps la culpabilité et offrit finalement son siège. Merci. La fille s'inclina en guise de respect et, tout sourire, se fraya un chemin avec la vieille dame pour se rendre au siège tant convoité. Elle remercia la fille plusieurs fois avant d'enfin prendre place. Alors que je regardais la scène, je commençais à croiser les bras et à fermer les yeux. Le bus allait bientôt arriver à destination du lycée. En descendant du bus, j'arrivais à une porte faite de pierres naturelles. Tous, filles et garçons en uniforme, traversèrent cette entrée. Le lycée Kodo Ikusei. C'est un institut créé par le gouvernement japonais formant les élites de demain. Voilà où je vais commencer ma scolarité à partir d'aujourd'hui. Allez, respirons un grand coup. Allons-y. Et, alors que je prenais mon courage à deux mains, mon élan fut coupé aussitôt lorsqu'on m'interpella. C'était la fille à côté de moi dans le bus. Tu m'as regardé dans le bus tout à l'heure. Pourquoi ? Dit-elle froidement. Désolée pour ça. Disons que toi aussi tu n'avais pas l'intention de donner ta place à cette vieille dame. Je me trompe. Et alors ? Où est le mal ? Non, c'est juste que je pensais la même chose. Moi non plus je n'avais pas l'intention de la lui donner. J'aime rester dans mon coin tranquillement sans me mêler de ce qu'il se passe autour de moi. Ne me compare à toi. Si je n'ai pas donné ma place, c'est parce que je n'en éprouvais aucunement le besoin. Je trouve mon attitude tout de même plus saine que la tienne. 11. Si tu le dis, j'agis seulement selon mes convictions. Tout le contraire des gens comme toi qui évitent les difficultés. Je préfère clairement me garder de ce type de compagnie. Je vois. Je voulais juste donner mon opinion. Mais je n'étais pas d'humeur à me lancer dans un débat. Nous soupirâmes tous les deux et commençâmes à marcher dans la même direction. 12. 2. Je n'aime guère ces cérémonies. Ce sentiment est partagé par beaucoup de personnes d'ailleurs. Le directeur ainsi que des élèves se congratulent les uns les autres pour respecter la convenance pendant que nous restons, debout, regardant l'horloge en espérant la fin de cette formalité barbante. Et ce n'est pas tout. La rentrée, que ce soit en primaire, au collège ou au lycée, marque le début d'une épreuve cruciale pour les élèves. Dans les premiers jours qui la suivent, les élèves doivent impérativement se faire des amis s'ils veulent maximiser le plaisir durant leurs années d'études. Si un lycéen rate cette occasion, il risque de passer 3 années misérables. Étant donné que je cherchais à vivre un quotidien paisible, je me suis surpris à penser qu'il serait mieux pour moi d'établir une relation décente avec quelqu'un. C'était même primordial. Pour pallier ce manque d'expérience, je m'étais entraîné hier. Première possibilité,
entrer dans la classe de façon détonnante et se montrer jovial et énergique. Deuxième possibilité, glisser un mot à quelqu'un en lui laissant mon adresse mail pour que l'on se recontacte après. Dans mon cas, je devais vraiment pratiquer, car j'entrais dans un tout nouvel environnement. J'étais complètement livré à moi-même alors que je fis mon entrée dans le champ de bataille. Alors que j'examinais la classe, je marchais jusqu'au siège où mon nom était inscrit. J'étais tout juste à côté de la fenêtre au fond de la classe. Je ne pouvais rêver mieux. Il manquait encore la moitié des élèves. Soit les élèves faisaient l'inventaire de leur matériel, soit ils blablataient avec des amis ou des connaissances. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de sympathiser durant ce temps mort? Quelques rangs devant moi se tenait un garçon rond qui avait l'air de se sentir seul selon mon ressenti. On aurait dit qu'il y avait marqué sur son front « Venez me parler s'il vous plaît, j'ai envie d'avoir des amis ». Bon, c'était encore mon ressenti. 13. Cependant, pénétrer dans la zone de confort de quelqu'un soudainement et entamer la discussion avec lui resterait perturbant pour ce dernier. Il faudrait attendre qu'une meilleure occasion se présente. Non, si j'attends, il y a de grandes chances que je finisse sans amis. Il fallait que j'engage la discussion. Attends, attends, ne va pas trop vite en besogne. Si je tente une approche de façon imprudente, je risque de provoquer l'effet inverse de ce que je recherche. C'est inutile, c'est un cercle vicieux. Je finis par ne parler à personne. Au fur et à mesure que le temps passait, le scénario que je voulais éviter commença à se profiler. Est-il encore seul? Est-ce des rires que j'entends? Je dois me faire des films. Je me demande bien ce qu'est l'amitié. Les amis sortent d'on ne sait où sans qu'il n'y ait une logique propre. Est-ce que l'on devient des amis après avoir mangé ensemble? Après être partis au bain public ensemble? Plus j'y pense et moins j'y comprends quelque chose. Il faut que je me creuse la tête encore. Se faire des amis est vraiment quelque chose de pénible et de fatigant. Déjà, est-ce que je m'y prends bien en voulant forcer les choses? L'amitié ne se forme-t-elle pas naturellement avec le temps? C'est vraiment à ne plus rien y comprendre. Alors que j'étais encore confus, la classe se remplit rapidement avec les étudiants restants. Bon, qui ne tente rien à rien. Après une lutte titanesque contre moi-même, je me levai. Cependant, en me levant, je vis ce gros garçon parler avec un autre camarade de classe. Avec un sourire gêné, je réalisai que je devais changer de cible. Bien joué, Binoclar. Tu as eu ton premier ami, et, encore toi. Perplexe, je n'entendis pas que l'on s'adressait à moi. Je me suis mis à me poser des questions. Je laissai échapper un grand soupir à la pensée de ma future vie misérable de lycéen. Je remarquai que la classe était quasiment pleine quand soudain, j'entendis quelqu'un poser son sac par terre sur la place voisine. 14. En voilà un grand soupir alors que l'année commence à peine. Te voir encore, pour le coup, est une bonne raison de soupirer. La personne qui s'assit à côté de moi était la fille avec qui j'eus une petite discussion à la sortie du bus. Alors nous sommes dans la même classe, c'était probable, en y réfléchissant, vu qu'il n'y a que 4 classes. Moi c'était Yano Koji Kiyotaka, enchanté. En voilà une présentation soudaine. Je ne vois pas ce qu'il y a de soudain alors que c'est la deuxième fois que l'on se parle. De toute manière, je n'avais pas eu l'occasion de me présenter à qui que ce soit, même pas à elle alors que nous avions échangé quelques mots plus tôt. Je voulais au moins connaître le nom de ma voisine. Puis-je ne pas me présenter en retour? Je pense qu'il serait bien malheureux de ne pas connaître nos noms alors que nous sommes voisins. Personnellement, je ne vois pas ce qui pose problème. Après m'avoir fustigé du regard, elle posa son sac sur la table. On dirait bien qu'elle ne compte pas donner son nom. Elle ne montrait aucun signe d'intérêt par le reste de la classe et s'assit sur sa chaise avec la prestance d'une reine. « Tu as un ami dans une autre classe. Tu viens seul au lycée? Tu es bien curieuse pour quelqu'un qui ne daigne pas se présenter. Pourquoi me parler si je ne suis pas digne d'intérêt? Si je te gêne, tu n'as qu'à me demander franchement de me taire. » Je pensais la conversation finie pour de bon quand soudain, elle lâcha un soupir et commença à me parler. 15. Mon nom est Torikita Suzune. Je ne m'attendais pas à une réponse de sa part pour être franc. Pour la première fois, je contemplais son visage pleinement. 2. Wow, elle est mignonne. Enfin, c'est un vrai canon plutôt. Bien que l'on soit dans la même classe, l'on pouvait croire qu'elle était en première ou terminale. Elle dégageait vraiment une aura de maturité. Bon, voici une petite présentation. Je n'ai pas de passe-temps en particulier, mais je m'intéresse à tout. Je n'ai pas beaucoup d'amis, mais je pense qu'il ne serait pas trop mal de s'en faire quelques-uns. Voilà pour moi. Une réponse digne de quelqu'un qui veut jouir de sa vie paisiblement. Je ne pense pas qu'un jour j'apprécierai ce genre de pensée. C'est comme si toute mon existence venait d'être balayée en une seconde. Je vais faire l'effort de sympathiser avec toi, mais je préfère être honnête. Alors que je pointais la tête vers la porte, j'eus une vision d'horreur.
La salle de classe a l'air d'être au top, ce qu'on raconte est donc vrai. Ce fut le garçon qui était au centre de l'altercation pendant l'incident du bus. Quelle malchance. Ce gars à problème est aussi dans la classe D. Sans même nous remarquer, il s'installa sur la chaise où fut marqué son nom Koanji. Je me demande s'il pourrait définir l'amitié. Observons-le encore un peu. Koanji plaça ses jambes sur la table, prit un coupe-ongle et commença à l'utiliser sans prendre en considération son environnement. Il se croyait vraisemblablement seul. Son attitude dans le bus semblait avoir reflété ce qu'il faisait. Était vraiment, en moins de 10 secondes. Plus de la moitié de la classe s'écarta de Koanji. Même ici, son excentricité s'imposa dans la salle. Je remarquai que Zorikita regardait le bas de son bureau afin de discrètement lire un de ses livres. Oh oups, j'oubliais que la base d'une conversation était de la faire durer en répliquant à son interlocuteur. J'ai raté une occasion pour devenir ami avec Zorikita. J'examinai le titre du livre et je vis qu'elle avait en main Crime et châtiment. Intéressant. Que le meurtre soit justifié ou non, celui-ci est tolérable selon le livre. Peut-être que Zorikita a les mêmes penchants que les personnages de cette histoire. Quoi qu'il en soit, les présentations étaient faites et il semblait que nous n'allions pas beaucoup interagir. La sonnerie retentit après quelques minutes. À peu près au même moment, une femme en tailleur fit son apparition. À première vue, elle avait l'air de donner beaucoup d'importance à la discipline, d'où son air strict. Elle devait être sur ses 30 ans et ses longs cheveux étaient sous forme de queue de cheval. Ahem, bonjour tout le monde. Je m'appelle Shabashuras et je serai votre professeur principal à partir de cette année. J'enseigne l'histoire japonaise. J'espère que nous allons bien nous entendre durant ces 3 années. La cérémonie de rentrée est dans approximativement 1 heure dans le gymnase, alors je vais vous distribuer dès maintenant le règlement de l'école ainsi qu'un petit guide. Elle fit passer les feuilles depuis le premier rang. Ce lycée n'est pas comme les autres, car il possède ses propres règles. Tous les élèves sans exception doivent vivre dans le campus et n'ont pas le droit de contacter des personnes à l'extérieur. Pour contacter la famille, il faut demander la permission. Ainsi, il est formellement interdit de sortir du campus. Pour pallier ces interdictions, tout est fait pour que vous puissiez vivre sur place et ne pas vous sentir lésé. Il y a des salles de cinéma, de karaoké, des cafés ainsi que des 17. Épiceries et boutiques en tout genre. Vous êtes donc dans une sorte de mini-ville avec un campus de 600 000 thème puissance 2. La dernière spécificité de l'école est son fameux système S. Je vais vous distribuer dès maintenant vos cartes d'étudiants. Celle-ci fait office de carte de crédit et est donc votre seul moyen de paiement sur ce campus. Je vous conseille fortement de gérer la dépense de vos points à l'intérieur si vous ne voulez pas vous trouver à court d'argent. Les points remplacent donc l'argent et ils sont stockés dans nos cartes d'étudiants. Chaque élève commençait avec le même nombre de points et était garant de la bonne gestion de ses dépenses. Quoi qu'il en soit, les points nous étaient octroyés par le lycée. Toutes les boutiques et les distributeurs disposent d'un lecteur de cartes d'étudiants. Vous pouvez donc l'utiliser vraiment partout. Les points vous seront automatiquement crédités le premier jour de ce mois. Vous aurez à votre disposition 100 000 points 600 000 yens. Vous m'avez bien compris. Un yen vaut un point. La classe fut prise d'un brouhaha assourdissant durant quelques secondes. Pas étonnant de la part d'un institut spécial créé par le gouvernement japonais. Rien que pour récompenser notre admission, on gagne un gain mensuel de 100 000 yens. C'est quand même une somme considérable pour de simples étudiants. Vous êtes surpris? Cette école mesure les capacités de ses élèves. Le fait que vous ayez réussi les examens d'entrée montre que vous avez un certain niveau. Cette somme reflète ainsi votre valeur, vos compétences. Profitez-en, car après le diplôme du baccalauréat, tous les points vous seront repris dans la mesure où vous ne pourrez jamais les convertir en argent. Pour finir, dépensez ces points comme vous l'entendez. Vous pouvez même en transférer à quelqu'un d'autre. Cependant, le harcèlement pour soutirer des points est formellement interdit. J'insiste, car le lycée sanctionne très lourdement ce genre de comportement. Shabashura Sensei observa les élèves pendant que le silence régnait. Pas de questions. Eh bien, je vous souhaite de passer de bonnes années ici. 18. Beaucoup de camarades ne purent contenir leur joie à cette nouvelle. Finalement, ce lycée n'est pas si terrible qu'on le dit. Je pensais avoir parlé à moi-même, mais Zorikita regarda dans ma direction et pensa que je m'adressais à elle. C'est vrai qu'ils font preuve d'un certain laxisme. Alors qu'ils nous forçaient à dormir dans un foyer en interne, nous interdisaient de sortir du campus ou de contacter le monde extérieur. Il faisait preuve d'une grande générosité en nous donnant une somme d'argent conséquente utilisable n'importe où pour n'importe quoi dans le campus. Nous avions clairement un traitement favorable, ce qui explique ce cadre idyllique. Le plus grand mérite du lycée Kodo Ikusei était son taux de 100% en termes d'employabilité. Chaperonné par le gouvernement, l'institut mettait à disposition toutes ses ressources pour le bien de ses étudiants. Beaucoup de ses anciens élèves étaient des personnalités connues,
car l'Institut n'offre pas de domaine de spécialisation en particulier comme le sport, la musique ou bien l'informatique. Contrairement aux écoles traditionnelles, chacun étudiait pour aboutir au domaine et au métier qui lui plaisait. Cet institut a réellement ce pouvoir. Je pensais donc que l'atmosphère serait beaucoup plus tendue et compétitive, mais à ma grande surprise, beaucoup de mes camarades étaient des élèves totalement ordinaires. Ou peut-être que tout le monde agissait de manière posée, car nous avions tous fait le plus difficile. Réussir les examens d'entrée, ce qui signifierait que l'on étudierait pendant 3 années de façon pépère, je me demande si c'était réellement le cas. Ce traitement de faveur ne me dit rien qui vaille. Je pensais la même chose qu'Orikita. Je pense qu'il ne faut pas se risquer à essayer de comprendre le pourquoi du comment. S'ils sont capables de réaliser tous les souhaits, alors il faut faire attention à ne pas trop creuser. Et, tu ne voulais pas aller dans cette boutique? Viens, on va faire du shopping. 19. Avec tout cet argent, on peut s'acheter plein de choses. On a un lycée au top. Après que le professeur ait tiré sa révérence, les étudiants étaient excités comme des puces. Votre attention tout le monde, s'il vous plaît. Un élève à l'allure de jeune homme leva l'une de ses mains et se mit à parler. Il avait tout de l'élève modèle. À partir d'aujourd'hui, nous serons dans la même classe pour les 3 années à venir. Ce serait bien que chacun se présente afin que l'on tisse des liens. On a encore le temps avant la cérémonie d'accueil, alors qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je restais sans voix tant l'initiative était bonne. La majorité des élèves devaient être dans le même cas que moi. Bonne idée vu que l'on ne se connaît pas. Cela permettra de détendre l'atmosphère de la classe. Après que la première personne daigna se présenter, les élèves derrière, hésitant à la base, lui emboîtèrent le pas. Je m'appelle Hirata Yuzuki. On m'appelait souvent par mon prénom, Yuzuki. Au collège, alors n'hésitez pas à faire de même. J'aime tous les sports. Je compte intégrer le club de foot de ce lycée, car c'est mon sport favori. J'espère que l'on va bien s'entendre. Ce jeune homme à l'origine de l'initiative fit une présentation impeccable. Il a vraiment des tripes. Il a même parlé de foot avec une expression passionnée. Sa popularité a dû se multiplier par 2 si ce n'est par 4. Toutes les filles étaient séduites. Ainsi, Hirata devint le personnage central de la classe et restera sûrement populaire jusqu'à l'obtention du diplôme. Il finira probablement par sortir avec la plus belle fille de l'Indé. Bref, vous m'avez compris. 20.